My name is John T. Herndon, and my fellow TV expert that I'm up against today is called John Cameron. The show that we are doing recording here today is a show for BBC Television in the UK called Put Your Money Where Your Mouth Is. The show is all about me and another TV expert buying antiques here in France or here in Paris, and we have to sell them back in the UK, and the one who makes the most profit is the winner. La BBC est venue me voir et nous avons choisi 3 objets, nous avons estimé et qu'ils ont acheté, voilà. J'ai dû baisser le prix, exact. Il m'a fait 10, non, il m'a fait, non pas 10, 8. 8 euros, je lui fais à 8 euros. C'est pas cher. Bon, c'était sympa, la négociation, j'ai baissé le prix, voilà. C'est le jeu de la brocante, hein. Voilà. Absinthe, oui. 250 euros. J'ai téléphoné à Wall Street, la bourse est montée. Bon, c'est très bien, bon, il y avait des professionnels, mais ils auraient pu éviter, faire le complément d'un traducteur et qu'il soit un peu plus intéressé ou qu'il connaisse un peu plus les objets qu'on présentait, c'est tout. Mais après, ça s'est bien passé, ils ont été très, très sympathiques, très gentils, voilà, et très professionnels aussi. Sauf le fait qu'on ne se comprenait pas trop bien. Parce que moi, je suis français, je ne comprends pas l'anglais. Voilà. Go back up and walk back. Oh yeah! La BBC est venue nous rendre visite avec toute une équipe. De jeunes, d'ailleurs ça me fait très plaisir, je ouvre une parenthèse que je ferme tout de suite parce qu'on voit un vrai renouvellement des jeunes marchands et donc d'un marché qui va se redynamiser d'après moi dans les années qui viennent, qui s'est déjà redynamisé depuis 2 ans, je ferme la parenthèse. Ils sont venus et ils ont regardé, ils ont essayé d'acheter d'ailleurs un petit objet, on ne s'est pas entendu car ils semblent être des acheteurs assez durs. En tout cas, les velléités de prix d'achat. Et on ne s'est pas entendu. Bon, je pense que ça faisait un petit peu partie du jeu de l'émission. Parce qu'on sait, pour avoir visité l'Angleterre et les différents lieux de Chine, de Londres, que les prix pratiqués là-bas sont nettement supérieurs à nous. Donc je pense que ça participait peut-être plus à un jeu qu'à une réelle envie d'acheter. The market has been wonderful. It's a fantastic setting. The weather is fantastically kind because we as Brits often worry about the weather. But more importantly, the choice of antiques here is superb. The dealers are so friendly, and this is a wonderful market to be in.